Ouais, c'est assez bizarrement, c'est vrai qu'on aurait pu mener au score en première mi-temps. On n'a pas été assez bon dans notre dernier pas, dans notre dernière passe, notre dernier geste. Et voilà, en première mi-temps avec 0-0 et en deuxième mi-temps, c'est vrai que c'est je sais pas, un peu difficile à expliquer. Ils prennent le dessus assez facilement et voilà, ils marquent ces deux buts. Mérité, je pense, sur la deuxième mi-temps qui nous replonge un peu dans nos travers, donc c'est un peu compliqué ce soir. Je sais pas trop. Je pense qu'on l'a bien débuté. On a bien débuté et après c'est vrai qu'ils ont pris le dessus petit à petit. Je sais pas trop comment ni pourquoi. Je pense que c'est sur ce qu'on va travailler parce que c'est. Voilà, faire une mi-temps, c'est pas assez sur un match de foot et ça nous est trop arrivé par le passé pour retomber là-dedans. Donc, faut expliquer, faut pas croire qu'en ayant gagné un match, on a gagné le championnat, loin de là. Donc, va falloir se remettre au travail rapidement. J'ai l'impression que c'est un peu retour à la case départ, d'avoir vu un peu le pas le match d'Orléans dans son entièreté, parce que la première mi-temps de ce soir est meilleure que la première mi-temps d'Orléans, mais Oui, c'est un retour à la case départ, carrément. Quand on fait ce genre de prestations, on peut pas dire qu'on avance ou qu'on évolue, loin de là. On régresse par rapport au match de Valenciennes et régresser, ça nous ramène au début de saison qu'on a fait. Donc ouais, forcément, on repart de zéro, mais bon, de toute façon, à chaque défaite, on va repartir de zéro, même si on en enchaîne 10. Donc, même si on enchaîne 10 victoires, on repart à zéro si on perd. Donc, voilà, c'est le but du jeu. On savait que c'était compliqué. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc, voilà, va falloir se retrousser les manches et recommencer rapidement. Je sais pas si on est une équipe qui joue le maintien, mais en tout cas, on n'a pas le contenu des équipes qui jouent le haut de tableau.